tout d'abord, lors du premier confinement, on a mis en place un site en ligne, le e-shop yamel.store, donc les gens pouvaient acheter directement dessus. Ce que j'ai fait pour que ce soit plus simple, en fait, je me suis prise en photo directement face au miroir avec tous les modèles de la boutique. Vous cliquez, vous choisissez votre modèle, votre taille, vous cliquez sur un click and collect, donc vous récupérez votre colis directement en boutique, ou alors je vous l'envoie à l'adresse que vous avez choisie. On a attiré les clients via les lives qu'on a mis en place lors du second confinement. C'est une taille unique et il est à moins 30% ce soir. Je vous montre de plus près. On a créé des événements sur Facebook. J'ai l'habitude de faire des stories tous les jours avec des looks du jour. On a fait de la pub, enfin, il y a eu beaucoup de partage des posts. Les gens participent le jour de l'événement, donc on diffuse en live. Donc, ils ont juste à commander par commentaire, donc premier arrivé, premier servi. Ils prennent rendez-vous, il y a un créneau horaire, donc il y a 30 minutes par client. Et comme ça, ils ont le temps de venir en boutique, récupérer leur colis, le paiement se fait sur place. Ou alors je l'envoie et du coup, le paiement se fait directement sur virement. Les premiers résultats sont plutôt convaincants, on a énormément de commandes, il y a une grosse solidarité qui s'est mise en place autour de la boutique. Moi j'ai fait un effort sur les prix, on a fait des réductions qui vont de moins 30 jusqu'à moins 50 voire moins 60 et les clientes à leur tour ont fait l'effort aussi de venir participer au live et d'acheter chez YAMEL. Grâce à elles, en fait, on fait perdurer l'aventure, donc mille merci à toutes les clientes.